calvaire. Pas en tout, tout en oui, ou bien c'est ça, on connaît l'autre aussi. Chante, c'est pas le tout pourri là. Vous dites qu'on chante. J'aime quand les femmes la chantent en patois. Tu connais ça? Qui va chanter toi? Inclinons la tête, prions. Tant de Père, nous te sommes reconnaissants pour ce que tu fais pour nous. Merci Père de gloire pour ce repos que tu nous as accordé après la prédication de notre bien-aimé frère Hervé. Merci pour ce que tu nous as dit au travers de sa bouche. Nous te prions, ô Dieu de gloire, que ça ne soit pas tombé sur une mauvaise terre. Nous prions, ô Dieu de gloire, que dans la suite de ce programme, Père, tu nous parles et tu nous diriges selon ta volonté. Tu préserves, ô Dieu de gloire, les pieds de tous ceux qui sont encore en route pour y venir à ce moment.
Nous prions et nous nous remettons entre tes mains afin que tu prends de nous, ô Dieu de gloire, ce qui n'est pas de toi. Et puis tu mets en nous ce que tu veux que ce soit en nous. Que toute la gloire te revienne au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir et vous saluons encore à gauche, à droite. Devant, derrière, saluez-vous. Salut en bénissant quelqu'un au nom du Seigneur Jésus. Salut quelqu'un en disant que la grâce du Seigneur Jésus repose sur toi. Que la grâce du Seigneur Jésus repose sur toi. Que la grâce de notre Seigneur Jésus repose sur toi. Que la grâce du Seigneur Jésus repose sur toi, mon frère. D'accord? Que la grâce du Seigneur Jésus repose sur toi. Que la grâce du Seigneur Jésus repose sur toi. Que la grâce du nom du Seigneur repose sur toi. Sur toi. D'accord? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse, mon frère. Ok. Jusqu'aujourd'hui, pour la dernière séance, j'espère que on se fait clair par rapport à ce qu'on a dit, n'est-ce pas? Mais avant de continuer, je vais dire quelque chose. Je crois qu'on va prendre des questions. Si vous avez des questions, toutes les questions d'ordre biblique, vous posez. Si vous avez préparé vos questions, posez. Si quelque chose vous vient à l'esprit, posez. Je veux que vous ouvrez votre Bible dans le livre des 1 Corinthiens. 1 Corinthiens. Suivez également que vos portables soient fermés ou bien si vous en avez un, vous mettez ici comme les autres ont fait. Et je ne cesse de vous dire que comme vous m'enregistrez, on vous enregistre. Parce que comme votre téléphone enregistre ma voix, et donc je suis en train de prêcher en disant des choses. Plus tard, je ne peux pas dire que je n'avais pas dit telle chose. Puisque vous les avez là-bas. Et c'est un témoignage contre moi et contre vous ici. Si ce qui est dit est exact d'après la parole, vous avez enregistré contre vous là les témoignages. Si je dis quelque chose qui est contre la parole, c'est une preuve également contre moi. Donc chacun de nous doit être sur ses gardes. Voilà pourquoi il doit veiller à dire exactement ce que vous devez comprendre de la parole. 1 Corinthiens, chapitre 11. Je vais commencer par là pour commencer à expliquer certaines petites notions. Pendant quelques minutes, puis vous laissez la main, vous posez toutes les questions. Je suis en train d'éviter de donner les choses les gros morceaux. Ce sont les choses élémentaires seulement de la parole que Dieu est en train de vous donner depuis. Les choses élémentaires. Pour la fondation, on ne peut pas vouloir construire la maison, on met la charpente directement. Il faut aller doucement. Et j'admets que la religion a créé beaucoup de problèmes. En grande majorité, les écoles bibliques. Dans le verset 15, prenons le verset 16 de 1 Corinthiens chapitre 11. Le verset 16, qu'est-ce que ça dit? 1 Corinthiens chapitre 11 au verset 16. Oui. Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude. Oui. Non plus que les églises de Dieu. Amen. Alors au chapitre 4 maintenant. 1 Corinthiens cette fois-ci chapitre 4. Aran on kadi Corinthiens kadi face au 9. Le verset 17. Chaque fois qu'il cite, quand on veut lire le verset biblique, vous avez la Bible, vérifiez que c'est ce qu'on a dit là-dedans. Verset 17. Ah, ça peut être dit. Verset 17 du chapitre 4. Oui. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises. Amen. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire ressortir? Il veut faire ressortir que le premier principe de la Bible, les apôtres du Seigneur Jésus et le Seigneur Jésus
n'enseigne pas des choses contradictoires. Dans 1 Corinthiens 11 qu'on a lu, au verset 16, il dit que si quelqu'un se plaît à contester, contester quoi? Si on veut réciter ce qui s'est passé depuis le verset 1. Il arrive là-bas, il dit, si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude. Pas plus que les églises de Dieu. Donc, il n'y a pas de contestation dans l'église, dans les églises de Dieu, contre l'enseignement de l'apôtre. Mais qu'est-ce qu'il voulait dire? Si vous lisez le verset 1, il dit qu'on soit ses imitateurs comme il est lui-même de Christ. Et il continue en voulant maintenant établir le principe du gouvernement de Dieu. Dieu, Allah, Christ, Al-Masihu, l'homme, la femme. Première chose dans le gouvernement, voilà l'ordre. Vous voyez cela, n'est-ce pas? C'est-à-dire que Dieu, Allah, Christ, Al-Masihu, l'homme, la femme, voilà le principe du gouvernement. Deuxième, il place au deuxième plan la relation qui lie ces gens dans le gouvernement. Donc dans la communion, comment est-ce qu'on fait? Il dit que l'homme est le chef de la femme. Ça règle le problème. Comme il a dit, l'homme est le chef de la femme, c'est définitif. Donc là où maintenant on met dans les églises maintenant que l'homme et la femme soient égaux, c'est une autre Bible qui sont en déprécher. C'est une autre Bible. C'est le féminisme à l'intérieur de l'église. Parce que dans aucune maison, dans aucun foyer dans le monde, même ceux qui prêchent ça, même ceux qui font ça, ne considéreront dans la pratique la femme à l'intérieur comme l'égal. Parce que dans un bateau, il n'y a pas deux capitaines. Si dans une entreprise tout le monde est chef à titre égal, qui va aller faire le travail de qui va donner l'ordre à qui? Dans un foyer, c'est une institution, le mariage. Dieu a régularisé les choses que l'homme est le chef de la femme. Vous avez compris, n'est-ce pas? Non, puis on dit que Christ est le chef de tout temps. Que vous croyez en Christ, vous ne croyez pas. Allez, ça vous êtes un homme. Allez, ça vous êtes homme. Christ est votre chef. C'est un peu comme quand on fait les élections présidentielles. Il y a des contestations entre les opposants et les partis au pouvoir. Le parti au pouvoir maintient son statu quo. Reste au pouvoir. Souvent par fraude. Et les gens savent que c'est la fraude. Mais vous n'avez pas le pouvoir de l'enlever. Finalement, il reste là. Il devient chef du pays. Quand il sort un décret, ça touche et ceux qui l'aiment et ceux qui ne l'aiment pas. Ça touche et ses opposants et ses gens de son parti. Que vous l'aimez ou ne l'aimez pas, quand il soit un décret présidentiel, ça joue sur tout le monde. Que tu aies insulté n'importe comment, quand il est investi de son autorité, il te commande que tu l'admets ou pas. Ainsi, Bani, si quelqu'un dit comme d'autres religions, on insulte Jésus, c'est établi dans le gouvernement de Dieu que Christ est le chef de tout homme. On n'a pas dit que Christ est le chef des chrétiens. Non, il est la tête du corps de l'église. Mais en dehors de ça, il est le chef de tout homme. Fin de citation. Donc que quelqu'un croit en lui, qu'il ne croit pas. C'est un peu comme la résurrection et le jugement. Il y a des gens qui ne croient pas à la résurrection des morts. Les gens qui croient à la réincarnation. Comme les religions orientales. Que la vie est un système cyclique. On passe d'un état à un autre. Tu payes ce que tu ne vois pas dans un autre monde. Et ainsi de suite. Il ne croit pas à la résurrection des morts. Qui le croit ou qui ne croit pas? Dieu va l'appeler en jugement. Lui-même sera ressuscité. Pour être ressuscité en ces jours-là, Dieu ne demande pas votre foi. Il va vous ressusciter. Et tu vas lui rendre compte. Donc, qu'on croit ou qu'on ne croit pas, qu'un athée croit que Dieu n'existe pas ou qu'il ne croit pas, il va passer en jugement. Parce que la Bible déclare l'Apocalypse chapitre 20, versets 11 à 15, que la mort va remettre les mots qui sont en elle.
Le Seigneur des morts va remettre les mots qui sont en eux. La mère va remettre les mots qui sont en eux. Et chacun va se tenir devant le trône. Groupe après groupe. Continuez pas à croire à la résurrection. Quand tu seras là-bas devant, il va dire, voici à la résurrection. Et là maintenant, toute bouche sera fermée. Donc il y a le principe de la Bible. Donc, Dieu dit dans 1 Corinthiens 11 que Christ est le chef de tout homme et l'homme est le chef de la femme. Ça c'est le principe du gouvernement du Seigneur. Il continue maintenant en expliquant, pas ici, regardez pas ici, ne soyez pas déconcentrés. Il continue maintenant en donnant maintenant les relations qui les lient dans l'adoration. Comment on doit adorer le Seigneur, comment on doit entrer. Il dit que tout homme qui prie ou qui prophétise, la tête couverte, déshonore son chef. Vous voyez cela, non? Donc si l'homme prie, il a quelque chose sur la tête, il déshonore son chef. Et on vient de définir que son chef c'est Christ. Puis on dit que toute femme, au contraire, qui prie, la tête non couverte, désonore son chef. Donc ce qu'on demande à l'homme est le contraire de ce qu'on demande à la femme. Puis la Bible déclare que c'est dans le principe du gouvernement. On dit l'homme ne doit pas se couvrir la tête. Se couvrir le prénominant. Donc c'est lui qui doit le faire. L'homme ne doit pas se couvrir. C'est lui qui fait l'action. On dit qu'il ne doit pas le faire. Et on justifie le pourquoi. Parce qu'il est l'image de Dieu. Donc l'image de Dieu ne doit pas se couvrir. Tandis que la femme a été faite pour qui? Pour l'homme. La femme est l'expression de la gloire, du besoin de l'homme. Ça doit se couvrir devant Dieu. Donc dans l'acte d'adoration, ce qui ressort de la gloire de l'homme doit être couvert. Ce qui ressort de la gloire de Dieu doit être manifesté. Et ces signes-là sont les signes distinctifs sur la tête. Parce que la partie du corps qu'on appelle la tête, c'est une représentation de ce gouvernement. On dit que tel monsieur est à la tête de l'État. Si on considère l'État comme le corps, la personne qui gouverne est ceci. Et la Bible déclare que Christ est la tête de l'Église. Comme on a vu ces jours dans 1 Corinthiens 12, parlant du corps de Christ comme étant le corps humain. Et par conséquent, le symbole de cette membre-ci représente le gouvernement. La tête du gouvernement. Donc la tête du gouvernement de la femme doit être couverte quand on vient en présence de Dieu. Tandis que la tête de l'homme qui représente pour Dieu doit être restée nue. Maintenant, là Dieu parle de couverture sur la tête pour la femme et chez l'homme qui ne doit pas se couvrir. C'est-à-dire, la femme doit avoir quelque chose pour couvrir sur la tête comme les femmes ont la toute. Pourquoi l'apôtre Paul écrit ceci? Parce qu'il voulait expliquer aux gens qu'il y a un style de façon de faire dans l'adoration devant le Seigneur. Ceci a trouvé donc des problèmes. Et donc les gens contestaient. Et aujourd'hui encore, on conteste. Il écrivait pour régler quelque chose. Et puis il explique au verset 16 que si quelqu'un conteste, qu'on sache que parmi les apôtres il n'y a pas de contestation, il n'y a pas de dislocation entre les anciens. Si vous regardez très attentivement dans ce verset 16, il dit si quelqu'un se plaît à contester, il ne dit pas que je n'ai pas cette habitude, il dit que nous, il inclut lui et les autres apôtres, nous n'avons pas cette habitude non plus que les églises de Dieu. Donc si vous êtes l'église de Dieu, point de contestation avec le docteur apostolique. Vous comprenez, n'est-ce pas?
Il dit que les apôtres ne contestent pas. Entre, il n'y a pas de dispute à cause de ça. Les églises de Dieu ne contestent pas. Et maintenant, il réplique donc. Regardez le verset 4. Il dit, au chapitre 4, nous avons lu au verset 17. Que c'est pour cette raison qu'il nous a envoyé Timothée. Pourquoi il envoie Timothée à Corinthe? Il explique que Timothée connaît quelles sont ses voies dans le Seigneur. Il dit que c'est son enfant bien-aimé. Timothée connaît comment il enseigne. Il va répliquer le même enseignement. Dans 1 Timothée, dans 2 Timothée, il va lui donner des leçons. Puis il dit que ce que tu as reçu, appris de moi, pratique-le. Confie-le à des hommes capables d'enseigner. Afin qu'ils enseignent les mêmes choses. Qu'on enseigne plus autre doctrine. Donc personne n'invente son enseignement. Donc la Bible dit. Qu'il a envoyé Timothée parce que Timothée va répliquer les mêmes enseignements qu'il enseigne dans toutes les assemblées. Donc, il n'y a pas une assemblée qui a son enseignement. Sa vision, c'est la sorcellerie au milieu de l'église. Vous entendez aujourd'hui, quelqu'un dit que votre assemblée, sa vision c'est quoi? Il n'y a pas de tel dans la Bible. Il n'y a pas la vision d'une assemblée. C'est étranger au Nouveau Testament. Le Nouveau Testament a pour base la doctrine des apôtres. Point final. Ce qu'on doit enseigner, c'est la saine doctrine. C'est pour cela que dans Éphésiens 4, verset 11, jusqu'au verset 17, il dit les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les docteurs, les pasteurs sont donnés pour le perfectionnement. On dit que jusqu'à ce que les saints, la totalité des saints, soient parvenus tous à l'unité de la foi. L'unité de la foi. Tant que vous allez prendre votre doctrine, vous allez dans cette direction. L'autre prend son doctrine, il va dans cette direction. Vous allez aller dans différents opposés. Vous ne retrouverez jamais. À l'instant où chacun va déposer sa théologie de côté, les règlements intérieurs de côté, admettre qu'on prend seulement la sainte parole du Seigneur et qu'on amène nos intelligences en dessous, on confronte cela avec la parole et on laisse la parole nous gouverner. À cet instant-là, tous, on parlera le langage biblique. Sans ça, chacun ira dans sa direction. Sans cela, personne n'ira dans la même direction que le Seigneur. Or, la Bible déclare, on dit que ces gens-là seront là jusqu'à ce qu'on soit tous à l'unité de la foi. Donc, Dieu va la réaliser sur la terre. Donc, sur la terre, il y aura l'unité de la foi. Parce qu'il a laissé l'unité de la foi. Dans Jean 17, quand il faisait la prière avant de quitter la terre, il a dit, Père Saint, que ceci soit un. Comme toi et moi, nous sommes un. Va sa prière qui a sorti. Qu'il a dit avant de sortir. Il savait quelle division il devrait avoir. Il a prié sa prière avant de nous laisser. C'était qu'on soit un. Pensez-vous que ce qu'on s'appelle l'église aujourd'hui, c'est un frère? Quelqu'un reste quelque part, il appelle l'autre l'église sœur. 2 minutes après, il dit ce sont les sorciers. Donc il est sœur de sort. Les sorciers. Donc lui-même était un sorcier. Après ça, c'est que la réunion des pasteurs de régional. Il parle de Dieu. Il sort, il calomnie ces gens-là. C'est quel genre de Bible on sait? La Bible déclare que Dieu va retrancher de la terre ceux qui calomnient en secret leurs frères. Dieu prie pour l'unité. Par nos intelligences, nos doctrines, on divise. Ce qui est curieux, que ce n'est pas la doctrine du Seigneur. Ce sont nos doctrines. Donc vous devez tester vos doctrines que vous enseignez. À la lumière de la parole de Dieu. Si ce n'est pas fait, parce que souvenez-vous de l'ordre du Seigneur. Il a dit qu'allez prêcher. Faites des disciples. Les baptisants. Et enseignez-leur. Il n'a pas dit que chacun de vous, ils étaient 11 à qui parlait. Il n'a pas dit que chacun enseigne sa doctrine qu'il a reçue. Il a dit enseignez-leur à observer. Donc ce que vous les allez dire, c'est ça qu'ils vont faire. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit.
Donc si les apôtres ont enseigné, Jésus leur a prescrit d'enseigner ça. Vous devrez mettre en pratique. Amen. Amen. Voilà. Donc la doctrine des apôtres sont indiscutables. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Si vous lisez le chapitre 14 de 1 Corinthiens, le verset 6, prononce-la. Donc il n'y a pas de Bible des catholiques. Voilà quand le terme catholique. La Bible des protestants. Voilà le terme protestant. La Bible des pentecôtistes. Voilà le terme pentecôtiste. La Bible des vraies églises. Il n'y a pas d'église. La Bible des églises évangéliques. Voilà l'église là. Il n'y a pas de tel. Voilà du kayon kawala. Il y a les saintes écritures. Mais quand il bindi tieni dedans. Les saintes écritures n'est pas une propriété dénominationnelle. Quand il bindi tieni de kadi wana dum hune de kadi jemo. Ce n'est pas une propriété personnelle. Le mlat hune de mara. L'auteur des saintes écritures. Quand il on molamani de faire. C'est le Seigneur. Mlat jo mirao. Verset 6, mon cher, qu'est-ce que ça dit de 1 Corinthiens chapitre 14? 14, verset 6. Oui. Et maintenant, frère, de quelle unité... Non. Regarde ce qui est écrit. De quelle... Et maintenant, frère... Oui. De quelle utilité... Merci beaucoup. ...vous seriez-je si je venais à vous parlant en langue? Si je venais à vous, parlant en langue, oui, la ponctuation et la prononciation, pour que ça puisse bien donner dans la phrase, d'accord? De quel frère, de quelle utilité vous serais-je si je viens à vous, parlant en langue? Donc quand il vient chez vous, prêcher. Oui, vas-y, lis mon frère. Et si je ne vous parlais pas par révélation? Un. Ou par connaissance? Deux. Ou par prophétie? Trois. Ou par doctrine. Voilà, vous voyez. Merci mon frère. L'apôtre Paul dit que okay, s'il vient chez vous prêcher, il vient parler en langue. Ça vous sert à quoi? Les gens qui font ça, c'est pour montrer leur spiritualité. Il a cité quatre choses pour lesquelles les prédicateurs sont envoyés. Voilà les quatre. Il doit parler par révélation. Et ces révélations-là doivent être encadrées par la parole du Seigneur. Ce n'est pas ce style de révélation-ci. Dieu me dit que si chacun sème 500 000 ici, il va bénir les maisons. C'est pas ça dont la Bible parle. Parce que la révélation dont l'apôtre Paul parle, c'est la révélation qui amène le croyant davantage à connaître le Seigneur et ses plans. Vous comprenez, n'est-ce pas? Non, pas moi. Donc, il dit que de quelle utilité? Je ne vous serai d'aucune utilité si il vient à vous. Je ne vous parle pas par ces quatre choses-là. Je parle seulement en langue. Il a dit révélation, connaissance. Ça, il vous enseigne ce que vous devez connaître. Vous comprenez cela, n'est-ce pas? Prophétie. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 11 et au chapitre 21, on a vu le cas du prophète Agabus qui est venu chez Philippe. Il a prophétisé sur l'apôtre Paul que l'homme à qui appartient ses ceintures sera lié de cette façon et amené à Jérusalem. Et on va l'entraîner. Dans le chapitre 11, de toujours des Actes des Apôtres, au verset 27, il s'est levé du milieu de l'assemblée. Le même prophète Agabus. Il a parlé par l'esprit. Il dit ainsi dit l'esprit. Il y a une famine qui arrive. Et la Bible explique qu'effectivement, cette famine est arrivée sous Claude. Donc quand Claude était le roi là-bas. Pourquoi la prophétie est donnée? La Bible déclare que les disciples résolus d'envoyer chacun selon sa moyen de l'aide aux frères qui étaient dans la Judée. Parce qu'ils étaient les plus exposés à la famine. Vous voyez que Dieu, sachant que son peuple est sur la terre, il veut amener la famine. Il prévient son peuple pour qu'ils puissent se préparer aux éventualités. C'est pas normal que l'église du Seigneur tombe dans les mêmes choses que le monde. Il faut qu'il y ait une direction de l'esprit.
Il dit qu'il ne fait rien sans avoir averti, sans avoir donné ses secrets à son serviteur le prophète. Si doit avoir un incendie qui va ravager votre zone ou une inondation, vous dites que vous êtes église de Dieu ici. Sur cette terre-ci, personne ne reçoit la révélation. C'est que je pose votre question avec la relation avec votre Dieu. C'est que je m'interroge la connexion que vous avez avec Dieu. C'est-à-dire que tout le monde, même les chrétiens qui sont là-dedans, ceux qui passent servir Dieu chaque dimanche, si quelque chose vient ravager votre zone, sans que Dieu ne vous ait prévenu, vous êtes dans la religion. Parce que là-bas, quand la famille voulait arriver, le prophète s'est levé au milieu de l'assemblée. Il a dit que la famille arrive. Ça, c'est aux chrétiens qu'il a dit. C'est pour dire préparez-vous. Vous ne devez pas être supplicant ceux de Dieu. Quand ils se préparent, ils savent que leur Dieu va faire quelque chose. Vous comprenez cela? En Égypte, quand les Juifs étaient en Égypte, quand ils voulaient frapper, il a donné son secret à Moïse. Voici la solution de sortie. L'agneau mettait le sang sur les lintes de porte. La seule chose que le destin. Tu te devais regarder, oui ou non, ta maison a du sang. Si ta maison n'a pas de sang, il doit avoir les cris là-bas. Donc, s'il y a un juif qui n'avait pas dit, ah non, le sang, quoi, les cris devaient être là-bas. Mais quand on criait, on savait que c'était la maison des Égyptiens. La Bible déclare que chez les Juifs, même pas un poule n'a crié parce qu'ils ont été prévenus. Donc le peuple de Dieu connaît la volonté de Dieu. Alors l'apôtre Paul donne, de quelle utilité vous serais-je si je viens à vous parlant en langue? C'est pas en langue, on dit mais il parle avec Dieu, c'est pas Dieu qui c'est pas ça. Parce que lorsqu'on se rassemble, c'est pour qu'on soit édifié. Il dit par révélation, par connaissance, par prophétie, par doctrine. Que voici la doctrine chrétienne. Et quand c'est la doctrine chrétienne, on ne peut pas bouger ça. C'est pour ça que dans Hébreux chapitre 6, il parle de la doctrine des baptêmes. Jugement des morts. Repentance, imposition des mains, Dieu va les bases. On ne peut pas s'écarter de cela. Mais on doit être élevé pour aller dans les choses plus sérieuses. Sans oublier le fondement. Donc le fondement, comme c'est posé, c'est fait pour qu'on progresse. On a creusé la fondation de cette maison-ci. On a mis les papiers au fur et à mesure qu'on est monté. Il ne faut pas qu'on reste toujours sur la fondation. Amen. Alors dans 1 Corinthiens 11, verset 16, il dit qu'il n'y a pas de contestation entre les apôtres. Non plus que les églises de Dieu. Or, ce que l'apôtre Paul enseigne ici, il y a des chrétiens qui enseignent aujourd'hui. Si vous regardez le verset 15, il dit que la chevelure lui a été donnée comme voile, disant à la femme que la chevelure lui a été donnée comme voile. Et il dit, si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons point, il n'y a pas d'habitude chez nous de contester comme ça. Alors, d'où vient-il que les chrétiens prennent cette même Bible, ils disent que le voile que la Bible parle de parler, c'est le cheveu de la femme. Or, là-bas, clairement, il est fait état pour la femme de deux voiles. On dit qu'elle doit se couvrir la tête. Parmi vous tous ici, hommes et femmes, qui met ses cheveux sur sa tête? Qui parmi vous a mis ses propres cheveux sur sa tête? C'est vous qui mettez? Mais on dit que la femme ne doit pas prier ou prophétiser sans se couvrir. Qui fait l'action? Qui doit se couvrir? Ça veut dire que l'action qu'elle fait, c'est un signe extérieur. Donc c'est elle qui doit placer cela. Au verset 15 maintenant, on dit la chevelure lui a été donnée. La chevelure lui est donnée. Comme voile. Dans la version du second, c'est écrit comme voile. Mais les mots grecs qui sont écrits là-bas pour voile là, c'est deux mots différents. L'un parle de parure l'ornement.
que Dieu lui a donné l'ornement. C'est pour cela qu'elle ne doit pas transformer ses cheveux, teindre ses cheveux, parce que Dieu lui a déjà donné son ornement. Vous comprenez maintenant le problème, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui? Elle prend les faux cheveux de Mamie Wata, elle met sur sa tête pour dire que c'est ça qui est bien. Elle met ici, l'autre est rouge, l'autre est jaune. Elle marche comme ça sa tête sur le Cameroun. Pourtant, quand Dieu a créé, c'était parfait. Quand il a créé, il a dit toute chose est parfaite. L'homme aussi, comme il ne connaît pas, quand il travaille, il porte son argent. Il part dans une entreprise de mèche. Il achète de Mamie Wata. Il défie de Mamie Wata. Mets ça sur toi. Je t'aime quand tu as Mamie Wata. Pourtant, Dieu dit, la chevelure lui a été donnée. Le mot c'est paru. Ornement. Donc Dieu a orné la femme, la couronné avec ses cheveux. Si elle met quelque chose donc d'extérieur, elle rejette l'ornement de Dieu. Voilà le problème. Qu'on enseigne cela. Il dit donc que si quelqu'un conteste là, il n'y a pas de contestation. Je ne sais pas si vous comprenez. Voilà. Il dit que c'est ce que Timothée enseigne. Pour ce qui concerne l'offrande, il va dire la même chose. Ouvrez le chapitre 16 pour vous montrer que c'est l'uniforme. Il n'y a pas un enseignement qui donne dans une église que non, ça c'est spécifiquement pour telle église, voilà. Et l'autre enseignement c'est spécifiquement pour telle église. Si, un de, si votre corps physique doit se développer, quand vous mangez la nourriture dans votre corps, ça se répartit de façon harmonieuse dans tout votre corps pour que le corps reçoive la régénération grandissant uniformement. Si par exemple vous mangez une nourriture et que plus de vitamines va sur la main droite et que la main gauche ne reçoit pas, ou est-ce qu'on serait gros d'un côté et petit de l'autre côté? Donc le Saint-Esprit donne la nourriture au corps afin que le corps grandisse dans la monnaie. C'est-à-dire, il n'y a pas un style d'enseignement pour une église et un autre enseignement pour une autre église. C'est pour ça que c'est la même parole pour tout le monde. Amen. Vous savez, ces frères. Verset 1. Pour ce qui concerne. Chapitre 16, verset 1. Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints. Oui. Agissez vous aussi comme je vous l'ai ordonné. Comme je l'ai ordonné. Aux églises de la Galatie. Merci. Que Dieu vous bénisse. Vous voyez, l'apôtre Paul dit ici que pour ce qui concerne la collecte, là il s'adresse à l'église de Corinthe. Il dit que la façon dont vous avez agi, agissez aussi comme j'ai ordonné. Il ne dit pas à l'église de la Galatie, parce que la Galatie c'est une province. Une province est contenue des églises. Il dit que agissez vous aussi la façon de pratiquer. C'est la même façon que j'ai ordonné aux églises de la Galatie. Même travail pour tout le monde. Même façon d'agir pour tout le monde. Amen. Soyez vraiment bénis. Des questions? Si vous avez des questions, posez. Vous voulez d'abord dire ces choses. Il parlerait 5 minutes et puis il va vous lâcher pour vous poser des questions si vous avez envie. On a tout le temps. Profitons du temps qu'on a avant qu'on tombe avant que la nuit ne tombe. Parce que bientôt, quand on va entrer dans l'enseignement, au fur et à mesure, on n'a pas avoir le temps passé. Sentez-vous de poser toutes les questions. Et si vous ne me posez pas de questions, moi je vais vous poser des questions en vous désignant. Parce que j'ai des questions ici plein. Bonjour, cher frère. Bonjour, oui. Ma préoccupation, c'est par rapport à la chevelure. Oui. Je voudrais connaître quelle est la fonction de l'église. Oui. Et après, John, l'église, c'est que la chevelure est une carrure pour la femme. Oui. Grâce à quelle date vous mettez ça dans les mèches, les brésiliennes et toutes les perruques qu'elles mettent là. Oui. Maintenant, si la jeune femme, oui, la femme, oui, prend maintenant ce qu'on appelle le pot, oui, elle applique ça sur sa tête, oui,
Elle a dit dénaturer ses mêmes cheveux là. Donc elle doit laisser ses cheveux tels quels. La Bible déclare dans Ecclésiaste chapitre 3 que ce que Dieu a fait est parfait. Rien ne doit être ajouté. Ce qui est courbé ne doit pas être redressé. Ce qui est redressé ne doit pas être courbé. C'est définitif. C'est identique comme ceux qui mettent des. Vous appelez ce qu'on met pour changer de peau là. Le tatouage, est spécifiquement dit là-bas. Il dit une femme est noire, elle porte des. C'est pas pour, pour nettoyer la peau pour devenir comme les blancs. Le maquillage. Quand on met le maquillage là, elle veut dire quoi à Dieu? Quand une femme devient, quand une femme qui est noire devient, même les prédicateurs, vous voyez les prédicateurs, ils tendent la main comme ça, une partie est rouge, une partie est noire, comme si c'était le fantôme mélangé au Coca-Cola. C'est que Dieu l'a mal formé. Donc, toute personne qui se maquille insulte Dieu. Vous avez déjà vu le chien voulant se maquiller? Vous avez vu la poule voulant se maquiller? Mais Dieu n'a-t-il pas orné la poule? Tous les animaux respectent la loi de Dieu. Sauf les hommes. Et c'est avec raison que l'Église dit au chapitre 7 que Dieu a créé les hommes droits. Mais ils ont cherché beaucoup de détours. Tous les animaux cherchent, tout font comme ce que Dieu a dit. Mais les hommes, c'est un problème. Vous avez entendu que Jésus est venu mourir pour les lions? Ils n'ont pas péché. C'est nous. Et on continue à pécher au point où même les hommes couchent avec les animaux. Malgré que Dieu dit que voici ce qu'on doit faire. Il dit que c'est une abomination. Pour une femme de porter des vêtements d'homme. Et vice versa. On lit comme ça. On dit que Dieu ne regarde pas à l'extérieur. N'est-ce pas ce qui est écrit? Non, Dieu regarde au cœur. Bon, si tu fais le maquillage au haut là-bas, tu dis que Dieu regarde au cœur. Qu'est-ce que tu as pour ça faire le maquillage? C'était où? Donc même d'abord ton cœur est d'abord maquillé dedans. Maquillé par l'hypocrisie. Par la rébellion à Dieu. C'est ça qui s'extériorise. N'est-ce pas, mes chers? Laissez, j'arrive. Le dernier, il veut cracher le dernier puis il part. Comme ça, si vous m'insultez pas derrière, ça ne fait rien sur mon nom. Regardez, vous voyez une femme, elle met une bague ici, une autre ici, elle met sur son nez, sur les oreilles encore, elle aligne jusqu'ici, elle aligne ici, elle porte ici, elle pèse le nombril. Posez les questions, vous cherchez quoi au juste? Vous cherchez quoi? Bon, posez les questions. Parce qu'il parle dans cette direction, on va dire que je suis un misogyne, qu'il n'aime pas les femmes. Quand vous allez dans le mur tel que vous avez fait, regardez vos enfants. Quand vous avez l'enfant dans votre ventre, vous allez à l'hôpital. Les médecins ont tout qu'on met sur le ventre là. C'est pas comment vous appelez ça. Quand on met, on regarde sur un écran. L'échographie. Quand on met l'échographie, le médecin cherche l'oreille de l'enfant, pas vrai? Le médecin cherche l'oreille de l'enfant. Quand il regarde, quand ses oreilles sont percées, il dit que c'est une fille, n'est-ce pas? C'est son oreille que le médecin cherche. Qu'est-ce qui lui fait dire que c'est une fille ou c'est un garçon? L'oreille. Bon, quand l'enfant sort, est-ce qu'on peut savoir si c'est une fille ou c'est un garçon? Quand l'enfant est déjà sorti, vous pouvez savoir que c'est une fille ici, n'est-ce pas? Bon, quand vous percez l'oreille, c'est pour faire quoi? Je veux que vous donniez une bonne explication devant Dieu. Le trou pour pisser, c'est vous qui percez. C'est vous qui percez le trou pour respirer. Pointe quelqu'un avec le nez. Pointe quelqu'un. Dieu a déjà percé tous les trous. Laisse l'enfant tranquille. Vous comprenez ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Dieu a percé l'oreille parce qu'il sait qu'il a besoin de respiration. Il a percé l'oreille parce qu'il sait qu'il a besoin d'entendre. Tu sors, tu dis que non, Dieu a oublié ici. L'enfant pleure, tu dis laisse ça va, c'est bon. Vous demandez aux gens que c'est pourquoi, c'est pour qu'on sache que c'est une fille. Donc Dieu ne sait pas que c'est une fille. Et donc quand il est dans le ventre, comment le docteur a fait pour te dire que c'était une fille? Si vous ne portez pas le bloc, on ne sait pas que vous êtes une fille. Pointe quelqu'un.
dit que ce sont la sorcellerie. Voilà. Oui, mon cher. Question, j'ai une question à faire. Ici, dans le livre de Matthieu 28, verset 19, la parole de Dieu déclare: allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui. Bon, quand je vais dans le livre de Actes des Apôtres, là, oui. Acte 2, verset 38, oui. La Bible dit: Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Oui. Pour le pardon de vos péchés. Oui. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Ma question est la suivante. Est-ce que, aussi vrai, parce que dans le livre Actes des Apôtres, là, la Bible précise que c'est au nom de Jésus que nous devons être baptisés. Oui. Mais de l'autre côté, la Bible parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui. J'aimerais donc savoir, est-ce qu'on peut baptiser quelqu'un au nom du Père? Si oui, quel est le nom du Père? Si, est-ce qu'on peut également baptiser quelqu'un au nom du Saint-Esprit? Voilà. Si oui, quel est le nom du Saint-Esprit? Voilà. Merci. Merci beaucoup. Vous voyez, vous sortez ici avec deux solutions. Soit vous croyez qu'il y a trois dieux. Soit vous croyez qu'il y a un Dieu. Et si vous croyez qu'il y a un Dieu, vous allez admettre que la personne qu'on appelle Père, Fils, Saint-Esprit, c'est la même personne. Et que cette personne a un nom. Parce que quand vous dites trois personnes, que le Père c'est une personne, chaque personne a sa personnalité. Et par conséquent, son propre nom. Il n'y a pas trois dieux. Voilà Allah Tati. Comme la Trinité on dit. C'est pour ça que j'ai dit, vous pouvez vous aller de l'Église catholique. Si vous ne vous êtes pas débarrassé de la doctrine, vous allez avoir des problèmes. Dans ce Matthieu 28, donc pour rappeler, la Bible parle de baptiser au nom. Le nom est au singulier. Mais trois titres sont cités. Bien pire encore, il y a une conjonction de coordination et. Donc, normalement, la règle française voulait qu'on mette au nom, au pluriel. Mais on n'a pas mis au pluriel. Ça ferait donc maintenant que le Nouveau Testament révèle qu'il y a une trinité. Baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dans le nom des personnes, de la personne, de la personne, pas des personnes, le nom de la personne qui a pour titre Père, Fils, Saint-Esprit. Alors il faut d'abord que je vous montre bibliquement que Jésus-Christ est Père. Pour qu'il soit fils, vous savez au moins qu'il est déjà fils. Dans l'autre, là, est exclu. Il faut que je vous montre qu'il est le Saint-Esprit. C'est montre qu'il est le Saint-Esprit, qu'il est Père et qu'il est Fils. C'est de son nom dont on parle. C'est sur ça qu'on va aller maintenant. Donc je vais établir que Jésus est Dieu, le Père. On y va. On peut commencer. Oui. Et il paraît que, bon, la parole qui est sortie de Jésus là, elle est fausse. Que la parole de Jésus, qui est sortie de la bouche de Jésus, est fausse. Elle est fausse. Uh-huh. Parce que comme il a dit, allez. Oui. On disait au nom du Père Saint-Esprit. Oui. Bon, on ne reconnaît pas comme. Non, c'est bon. Voilà. Ah, c'est mon frère, j'ai compris. Et pourquoi? Oui. Jésus n'a pas dit. Oui. Après cela, oui. Vous allez baptiser en mon nom. Oui. Il y a son nom. Attends, tu me poses la question. Oui, tu te poses la question. Oui, j'ai dit si Jésus hier son nom. Attends, tu dis d'abord que la parole là est fausse ou bien qu'il n'a pas prononcé. La parole qui est sortie de la bouche de Jésus là. Oui. Il paraît, elle est fausse. Est-ce qu'elle est fausse? Elle est fausse. Tu parles. Elle est fausse parce que les gens ne. Attends, tu affirmes ou tu as de poser la question? Oui, je pose la question. Ah, ok, tu poses la question. Oui, je pose la question. C'est pas une affirmation. Je pose la question. Que si elle est fausse. Oui, elle est fausse. Voilà. Parce que les gens disent que, bon, quand tu es baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Non, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que je t'ai dit. Que si tu es baptisé, tu n'es pas baptisé. Je suis baptisé. Mm-hmm. Oui, je suis baptisé. Oui. Voilà donc le problème. Oui. Bon, pourquoi Jésus n'a pas dit aux apôtres. Oui. Après moi, oui. Vous allez baptiser maintenant. Oui, à mon nom. À mon nom. Pourquoi ne pas dire directement, n'est-ce pas? Assieds-toi, tu ouvres ta Bible, c'est moi qui vais te poser une autre question.
Regarde-moi, quand vous pointez quelque chose. Non, attends, on prend. Les oui, oui, non, on va... c'est pour ça qu'on est là. Vous allez sortir votre truc. On ne comprend pas les enfants parce qu'il faut que la tête soit balayée. Bonne une femme. Bon, regarde-moi, mon frère. Regarde-moi. L'arme. Regarde, quand il pointe, tu me dis, d'accord. Si ton œil est pour toi. To guite mata. Finis la phrase. Allons, tu connais au moins ça, ça dans la Bible. C'est oui, guite mata. Tu connais ça dans la Bible. Il dit ce que je viens de citer là. Tu sais que c'est dans la Bible, n'est-ce pas? Ou mieux, ok, c'est bien, laissez l'œil. Si ta main est pour toi, oui, toi dungo, que, mata. Quoi, c'est fini donc. Une occasion de chute. Coupe-la. N'est-ce pas? Oui. Maintenant, dis-moi, honnêtement, devant la somme, tu as volé. Oui, am taka, ou moi, tu as volé. Oui, étant petit, j'ai volé. Non, comment tu dis encore que étant petit, j'ai volé? Donc, tu as déjà volé, non? Oui. Bon, qu'est-ce qu'on fait de ta main? Nous, on va te dire, ou tu as volé. Qu'est-ce qu'on doit faire? Nous, on gâte. C'est Jésus qui a dit. Yes, on vit. Qu'est-ce qu'on fait? Nous, watadou. Attends. Sinon, la parole est fausse aussi. On a abandonné quand on est debout, on fait horreur. Gardez-vous doucement parce que je sens de la main quelque part qui saisit quelque chose. D'accord. Donc, on doit te couper la main. Toi, à Woody, nos campus, il est bon. T'as été jungo. On peut te consentir ça que c'est quand tu étais petit, d'accord? Quand tu viens, tu ne connais pas. Maintenant, comme tu étais grand et bien plus que tu connaissais la parole de Dieu. As-tu déjà regardé une femme comme ça? Tu l'as convoitée? Amen. Il y a quoi de beau bani à souri mona? Tu le fais, n'est-ce pas? Jésus dit qu'on doit faire quoi si ton œil? Yes, we are no matter what. On doit faire quoi? Donne-moi ton stylo, pardon, frère. Jésus a dit qu'on fait quoi si ton œil? Yes, we know what the Il a affirmé qu'il le fait, non? Oui, on voit le. Mais Jésus dit que si ton œil est pour toi une occasion de. Oui, tu guites mal à la tingue en fergue. Donc, ça veut dire que chaque fois, il voit celui qui crée le problème. Il voit celui qui crée le problème. Donc, on fait comment? Nous, attends. Il a fait déjà par le. Non, mais comment? Bon, c'est ça. Mon problème est que. Dis seulement que la parole est sortie de Jésus, la efface. Non! Non, non. Oui, non, c'est ça. Non, c'est tu pas cela. Oui. Attendons. Mm-hmm. Si vous voulez qu'on travaille, on va travailler. Oui, on va travailler. Vraiment. Voilà. Je suis en train de vous. Il veut vous faire comprendre la chose. Oui. Là, Jésus a dit, c'est Jésus qui a dit non. Oui. Que si ton œil est pour toi une occasion de chute, oui, qu'on fasse comment? Qu'on arrache. C'est les reproches des pharisiens. Comment? Jésus a dit si l'œil, c'est pour dire annuler la loi pharisienne. Non, attends. Oui. Attends, attends. Ça. Non, attends, ancien. Attends. Jésus a dit, il n'a pas dit. Répondre à sa question, la réponse. Non, non. Répondre à sa question, là, nous voulons comprendre. Non. Sur le papier. Non. Non. Ne t'inquiète pas. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, d'accord? Bon, on annule là où c'est la parole que Jésus a dit. Là, quand on coupe les mains, on enlève les yeux. On annule la parole là. Et attends, demain. Là, il vous pose la question parce que Jésus a dit si ton œil, il veut prendre même quatre paroles différentes qu'il a dit. Il a dit si ton œil pour toi, il a dit ici que, oui, toi, que avec ses yeux il convoite les femmes. Oui, mais ça, et la convoitise c'est un péché. Et s'il continue, on sait qu'il va aller en enfer. Parce que Jésus dit que mieux tu enlèves tes yeux, mieux vaut entrer dans la dans le royaume étant aveugle que d'avoir les deux yeux aller dans le feu. Donc ça veut dire que son œil lui crée problème. Et Jésus a dit que si ton œil te crée problème, il faut qu'on. Comment tout le monde répond? Toi-même, tu ne réponds pas alors. Ça, c'est une autre phrase. Ça, bon, moi, je pose la question sur le baptême. J'arrive. D'accord. Regarde, quand on pose la question à Jésus sur Jean-Baptiste, sur son autorité, il a pris Jean-Baptiste pour leur expliquer son autorité. D'accord. Donc, aller dans n'importe quel endroit pour te faire comprendre ce que Jésus a dit. D'accord. Alors, ça veut dire que d'après la parole de Jésus, tu dois crever ton ou bien pas moi-même. Toi-même, tu dois enlever ton œil. Parce qu'il a dit que l'œil est jette. Je veux que quelqu'un me dise ce que Jésus a dit. Ancien, toi-même, dis-moi. Jésus a dit quoi par si ton œil est pour toi une occasion de chute, enlève-le et jette. Il n'a pas dit qu'on enlève. Il dit que toi-même, enlève. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit qu'on est Zinon. Oui, mon frère. Notre question est simple. C'est très simple que je sois de répondre comme ça. Parce que on sait que l'enseignement passe bien. On comprend. Mais là-bas, ça crée problème. Donc, ce qui veut dire que ancien, nous sommes sur la fondation ancien, des apôtres. Tu dois être baptisé au nom du Seigneur Jésus. Pourquoi? Parce que c'est la fondation des apôtres, comme tu l'as dit. Oui. Regarde un peu. Oui. Parce que l'apôtre Jean dit. Oui. Trois choses comme témoignage du ciel. Oui. Le Père. Oui. Le Fils. L'Esprit. Oui. Hein? Oui. Trois choses comme témoignage sur la terre. Oui. L'Esprit. Oui. L'eau. Oui.
fait le sens. Qu'est-ce que ça va avoir le baptême alors? Oui. Donc, ce qui veut dire que toutes les recommandations de l'ordre du Seigneur est respectée, même les apôtres n'ont pas négligé. Dans l'apôtre Pierre dit que le Seigneur Jésus nous a ordonné. Oui. Il réfère à Matthieu 22 et à Marc 16. L'apôtre baptême est normalement au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et l'apôtre Pierre a fait ça. Pourquoi les recommandations que le Seigneur les a recommandées là? Attends. Il ne peut pas négliger. Ancien. Vous tous maintenant écoutez. Quel est-ce? Si Jésus a envoyé les apôtres, que prend ce bixi et met ici. Il faut qu'on vérifie s'ils ont pris ce big là et déposé là-bas. Dans un des enseignements ici, je ne sais pas quel jour on a vu cela. On a vu dans la Bible comment Dieu avait dit qu'on porte l'arche avec sur les épaules. Et le jour qu'on a porté dans le chat, il a tué quelqu'un. On a vu ça, n'est-ce pas? On a vu ça. Et ça, c'est l'Ancien Testament. On a vu le cas où il a envoyé Saül d'aller tuer tout le pays d'Amalek. Il a gardé le bébé pour sacrifier même à Dieu. Dieu l'a disgracié du royaume. À cause de ça, le royaume lui a été enlevé, donné à David. Jésus a dit quelque chose. Baptisé au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit. 10 jours après, tous les disciples à qui il a parlé, baptisé au nom du Seigneur Jésus. Bien plus, l'apôtre Paul qui n'était même pas au milieu, vient 30 ans plus tard, commence son ministère sans savoir que les gens tout font comme ça là. Il dit, l'évangile que je vous ai enseigné, ce que je vous ai enseigné, n'est pas d'un homme. Car je n'ai rien reçu d'un homme, ni appris d'un homme, mais c'est par révélation du Seigneur Jésus. Donc l'apôtre ne s'est pas concerté avec les apôtres. Alors le problème c'est ceci. Comment est-ce que l'apôtre peut baptiser? Au nom du Seigneur, qui dans ce cas, qui lui a dit qu'il soit baptisé comme ça? L'apôtre n'est pas venu baptiser au nom, par hasard. Si c'était l'apôtre, c'est qui baptisait au nom du Père, du Fils, du Seigneur Jésus. Et que ceux à qui Jésus a parlé face à face, nous faisons au nom du Père, du Saint-Esprit. On devait dire que l'apôtre n'a pas de révélation et respect parce que Jésus dit. Aucune des personnes, même ceux qui étaient physiquement là, même celui qui a reçu la lumière directement, personne n'a fait au nom dans les titres du Père, du Saint-Esprit. Quelque part là. Oui. Baptisé au nom du Seigneur. Oui. Même on ne donne pas le nom de Jésus. Mais c'est le nom du Seigneur. C'est-à-dire, toutes les baptêmes, tout l'ordre que le Seigneur Jésus a donné. Oui. Il y a autant de doigts. Amen. Parce qu'il a donné l'ordre. Oui. Seigneur. Oui. Donc, et les apôtres disent que trois choses seront témoignages. Oui. Oui. Trois choses seront témoignages sur la terre. Oui. Donc les trois choses marchent d'accord. Oui. Les témoignages de toi et d'accord. Sur la terre, quelles sont les choses qui rendent témoignage? Qu'est-ce que cela a à voir avec le baptême? Les trois choses, oui. Le baptême dans l'eau, oui, symbolise le baptême de Jésus. Non, je dis ici, n'est-ce pas, hein? Ouais. Tu as dit trois choses rendent témoignage sur la terre. Attends, non. Le baptême dans l'eau symbolise le baptême de Jésus dans l'eau. Le sang symbolise sa mort sur la croix et l'esprit qui rend témoignage. Donc, les trois là, qu'est-ce que ça a à voir avec le baptême? Les trois là. Sont d'accord. Ok. Maintenant, je vais avancer, d'accord. Il va avancer, il faut que je réponde à la question de ceci parce qu'il y a eu une concertation après cela. Donc je recommence encore dans Marc chapitre 9 où Jésus a dit, yes, oui. Si ton œil pour toi est une occasion de chute, enlève et jette. Depuis que les yeux, vos yeux sont les occasions de chute, pourquoi ne respectez-vous pas l'ordre du Seigneur? Comment ça c'est un jugement? On a de partager la parole. Une assemblée, c'est-à-dire un jugement. La non. Bible dit que ne jugez pas avant le temps. Est-ce que c'est l'assemblée? Est-ce qu'ils sont en train de juger? Je vais demander si on a de mettre ces paroles en pratique, c'est ça? Mon baptême n'est pas bon. Non, papa, j'arrive. Non, non, c'est pas cela. Regardez, la Bible dit ceci, que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour corriger. On corrige quelqu'un qui est dans une faute. Tout le monde me saisissez. Quand vous êtes en faute, on doit vous. Quand vous avez votre enfant à la maison qui fait des fautes, vous faites quoi? La Bible dit donc que toute écriture est inspirée de Dieu pour corriger, pour enseigner. Vous voyez cela, n'est-ce pas?
pour exhorter. Donc si vous êtes dans une voie qui n'est pas bonne, c'est pour ça que quand je dis que repentez-vous. Pourquoi quand je dis repentez-vous, ne dis pas que c'est un jugement avant le temps. Parce que repentez, ça veut dire que vous en allez aller comme ça. Tournez-vous ici. C'est un ordre cela. Mais je suis en train de dire ici par exemple, il a pris un exemple parce qu'il prend cet exemple pour lui dire quelque chose. Dans le livre de Matthieu chapitre 22, les Sadducéens et au-delà sont venus poser la question au Seigneur Jésus. Après lui-même, il leur a posé aussi la question. Il a dit, de qui le Messie est-il fils? Ils ont dit, de David. Il a continué la question en disant, s'il est le fils de David, dans ce cas, si le fils de David, David l'appelle Seigneur. En citant le psaume 110, la Bible déclare, quand ils ont compris ça, ils n'ont pas compris ce qu'ils voulaient même demander. Chacun s'est retiré, personne ne lui posait plus de questions. Donc il les a remis une question pour leur faire comprendre qui il était. C'est ça qu'il veut qu'ils répondent avant que j'avance. C'est ça le problème. Le jour où je parlais de cela, j'ai parlé des gens 14, des gens 16. Où le Seigneur a dit, vous ne pouvez pas comporter les vérités maintenant. Mais quand je partirai, je vous donnerai le Saint-Esprit, le Consolateur. Il vous conduira dans toute la vérité. Bien plus, il a dit qu'il vous rappellera des choses. Ça veut dire que si vous avez oublié, il va vous restituer ce que j'avais dit. Donc 10 jours après, quand on a demandé qu'est-ce qu'il faut faire, le Saint-Esprit a parlé que repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. C'est ce que le Saint-Esprit a dit. Et c'est la même chose que Jésus-Christ a dit dans Matthieu 20. Donc je repose ma question aux frères pour qu'on puisse avancer. Il y a un enfant qui fait le bruit là-bas, je repose ma question. Je vous pose donc la question à vous tous. Jésus a dit par exemple, c'est un exemple qui est prêt, prendre 4 ou 5 des types de choses que Jésus a dit que vous ne pratiquez pas. Vous voyez cela? La Bible déclare par exemple dans Luc chapitre 6. Il dit prêter et n'exiger rien. Donc quand tu prêtes ton argent, ne pas pas demander. C'est pas ce qu'il dit. Il dit que si quelqu'un te dit fais 10 000 km, ne mimique pas, fais même 20 000. C'est pas ce qu'il dit. Alors, si on laisse seulement sur le prêt, aujourd'hui même les pasteurs vont porter plein à d'autres pasteurs parce qu'on lui a prêté l'argent, on n'a pas donné. N'est-ce pas, frère? Pourtant, Jésus a dit que prêter et ne exiger rien. Il dit, il peut vous prendre comme ça 4-5 que Jésus a dit que vous ne pratiquez pas. Mais je vais rester sur le problème de l'œil et de la main. Je veux que m'expliquer le pourquoi les chrétiens ne peuvent pas malgré que le problème des yeux les dérange. Ils n'enlèvent pas pour jeter. Si quelqu'un dans la salle a la réponse, il se lève et nous dit. Oui, mon frère. Par rapport à cela, c'est. Parle un peu à haute voix que les gens qui sont des représentants. Ok. Par rapport à cette parabole-là, n'est-ce pas? Oui. Par rapport à cette parabole. Faut des cas de bandolman. Si aujourd'hui la question que. Tohande, il y a une demande là-ti. L'homme pour lui, si sa main est pour lui une occasion de chute, oui. Qu'il enlève, que d'entrée, l'empêchant d'entrer dans le royaume, c'est mieux pour lui de couper cette main, afin d'entrer dans le royaume en chute. Ici, ça nous rappelle le scandale. Oui. Quand quelque chose est pour toi, l'empêchant d'entrer, oui. C'est vrai. Oui. Et si c'est ta main? Et si c'est même ta main? Oui. Il faut enlever. Si c'est ton œil, il faut aussi enlever. Donc je passe la question comme il ne veut pas me répondre directement à toi. Ton œil t'a déjà créé des problèmes, frère? Non. Ton œil ne te crée jamais de problème? Non, mon œil voit, mais je l'empêche de faire ce que mon œil a besoin de faire. Bon. Mon œil voit, mais. Ok. Si ça te crée des problèmes, qu'est-ce que tu vas faire? Je. Mais détourne seulement. Non, il n'a pas dit que si ton œil te crée problème, détourne-toi. Il a dit de faire quoi si ça te crée des problèmes. Qu'est-ce que tu feras? Ce que je veux savoir. Je vais vous dire quelque chose derrière ces versets, derrière ce que je viens de citer, d'accord? Oui. Voilà. Alors, si ton œil te crée des problèmes, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais l'enlever. Enlever quoi? Enlever l'œil. Tu vas enlever ton œil. Parce qu'il a dit clairement que c'est préférable d'entrer bon. Bon, ça veut dire que quelqu'un qui a perdu un œil. Oui. Dans le royaume. Étant bonne que d'avoir les deux yeux aller en enfer.
Donc il parle d'enlever l'œil, pas la peur. Si oui. Cela te cause, Oui, non, pas toi. Il dit toi, si ça t'empêche, tu vas faire quoi? Non, ma péché aujourd'hui, nous ne vivons pas selon la chair, mais nous vivons selon l'esprit. C'est à ceux-là qui se vivent d'office selon l'esprit qui disait ça. Oui, oui. Nous travaillons alors de manière spirituelle. C'est pour ça que je lui ai dit qu'il n'a pas parlé de l'œil spirituel, parce que tu peux enlever l'œil spirituel. Il parlait de ton œil ici. Donc je pose la question. Vous allez me tourner comme ça. Quand vous me posez la question, moi je vous réponds directement. Moi je vous pose la question, vous faites comme ça là. Parce qu'arrêtez, je veux que vous répondiez pour que je continue dans sa réponse. Pour ça là. Oui. Oui, mon frère. Oui. Je veux dire que mon œil n'a pas. Des problèmes. N'a pas de problème. Ah, c'est ça, c'est que la question ne concerne pas. Je pose la question à ceux qui ont des problèmes. Oui. Donc lui, il a dit que son œil avait des problèmes. Alors qu'est-ce que toi tu vas faire comme solution? Parce qu'il a dit que. Jésus a dit si ton œil te crée des problèmes, enlève-le. Donc pourquoi ne mets pas cela en pratique? Ou mieux, je pose la question autrement. Est-ce que vous comprenez? Oui. Je reprends disant, mais aujourd'hui, quand nous sommes déjà en Christ, nous sommes en train d'enlever ses yeux. Nous sommes en train de couper ses mains. Oui. Pourquoi? Parce que nous ne les laissons plus agir comme ses désirs voulant se manifester. Donc, parce que dans Romains, il est dit qu'il faudrait toujours les condamner. Ok, attends, maintenant là, je te pose la question. Ça veut dire que tu es en train de dire que Jésus ne parle pas de couper la main littéralement, n'est-ce pas? Voilà. Appréciez pour lui. C'est donc ici que je vais les amener à comprendre quelque chose. C'est à cet instant que la révélation vient dans les Écritures. Parce qu'il y a des choses qui sont écrites littéralement, mais qui ont une signification. Vous voyez, n'est-ce pas? Par exemple, il avait dit dans le livre de Matthieu, chapitre, dans Matthieu chapitre 10 et Luc chapitre 10, qu'allait prêcher la bonne nouvelle. Lorsque vous entrez dans une ville, ce ne vous reçoit pas, c'est quoi la poussée de votre pied de cette ville pour que ça ne s'attache même pas à vous. Là, on a vu comment les apôtres sont allés prêcher. Après les apôtres, on ne les a pas reçus. Ils ont secoué la poussée de leurs pieds. Et encore là, ce n'est pas les apôtres à qui on a adressé ça, qui ont fait. C'est l'apôtre pour qu'il ne pas de ce groupe-là qui a fait cela. Comment il savait que Jésus avait dit ça à ses disciples? Que si j'entre quelque part comme Apitoa, je vais prêcher, on ne reçoit pas. Je fais comme ça, il dit que même la poussée de votre ville, j'abandonne. Il dit, quand on fait ça, il y a une marque sur ce territoire pour juger les gens. Or, Jésus n'a pas dit ça à l'apôtre Paul, physiquement. Ça, c'est 12 disciples qui l'avaient dit ça quand il était sur la terre. Là, ils ont pratiqué ça physiquement. Et si tu comprends bien le verset biblique, qui dit oh, ton œil. Il n'est pas de dire que de percer ton œil. Mais c'est ce qui est écrit. Vous voyez donc, les apôtres expliquent ce que je. Parce qu'il a dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, si vous allez dans les enseignements des apôtres, la parabole que je viens de vous expliquer là, que oh, ton œil, ils ont ça déjà enseigné. Parce qu'il les a prescrit ça. D'enseigner ça. Donc quand Jésus dit quelque chose en parabole, eux ils donnent l'explication. Alors la Bible déclare, Éphésiens chapitre 2. Il n'a pas dit que vous avez été édifié sur les enseignements de Jésus. Il a dit que vous êtes édifié sur le fondement des apôtres. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Sur cette base-là, je vais avancer avec vous. Je veux toute votre attention. Donc, le papa, il dit que c'est l'ordre des missions que Jésus a donné, c'est ce que les apôtres ont fait. Il prend un chapitre où Jésus, l'apôtre Paul dit au verset 38 que Jésus nous a ordonné de prêcher et d'annoncer que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Ça, c'est l'annonce de la bonne nouvelle. Tu vois, on parle du baptême, il prend de l'annonce de la bonne nouvelle. Dans Luc 24, quand le Seigneur a souffert sur eux, il a ouvert leur intelligence. Il leur a dit que ainsi, il est écrit dans la loi de Moïse, dans les prophètes, dans les psaumes, que le Christ souffrirait et que ressuscité des morts, la bonne nouvelle serait prêchée à tout le monde en son nom, à commencer par Jérusalem. Donc c'est quelque chose que ça se trouve dans la Bible cachée. C'est le principe du message là-bas. Mais en allant enseignant ce message, il y a un ordre qu'on doit pratiquer, le baptême. C'est sur ça qu'on est basé. N'allons pas à gauche, n'allons pas à droite. Il a parlé du baptême. Il a dit enseignez à observer. Enseignez à observer,
avait dit ceci. Jésus a dit de faire ceci. Et on doit pratiquer ça. Et quand il a dit ça, c'est un décret de la volonté de Dieu. Et dans l'enseignement du frère Hervé ici, il a cité Matthieu chapitre 7, verset 21. Il a dit, pas tout ce qui me dit Seigneur, c'est celui qui interrompt. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. La question c'est, si Jésus a dit que Père, Fils, Saint-Esprit, et que littéralement c'est comme ça qu'on devrait pratiquer, et si aucun apport n'a fait, les premières personnes qui n'ont pas fait la volonté de Dieu dans ce cas devraient qui? Ce sont ceux qui sont les premiers à ne pas observer ce que Jésus a dit. Les apôtres. Et par conséquent, tout ce qu'ils ont enseigné aux gens au fil du temps est entièrement. Mais Hébreux 2:4 dit, quand ils enseignaient, Jésus appuyait leur témoignage par des miracles pour authentifier que ce qu'ils disent est. Et on a vu ici tout à l'heure là dans mon introduction. Que l'apôtre peut envoyer aussi Timothée, il va vous enseigner comment moi j'enseigne dans toutes les églises. Et on voit comment l'apôtre peut baptiser. Allons dans 1 Corinthiens chapitre 3, voir comment il baptisait. Lisons doucement à partir du verset 1. Vous voyez, quand on a passé cette chose-ci, c'est la révélation. Donc maintenant, si ça vous trouble là, vous les anciens et autres là-bas, voici comment il peut vous laisser entre ses mains. Cherchez le nom dans lequel on doit baptiser. Cherchez le nom. Parce qu'il a dit baptisé au nom. Puis il a cité le titre de la personne qui a ce nom. C'est simple. Maintenant, 1 Corinthiens chapitre 3, qu'est-ce que ça dit verset 1? 1 Corinthiens chapitre 3, premier verset. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, oui, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Oui, continue frère, juste parce qu'il te dit stop. Je vous ai donné du lait, donc de la nourriture solide, oui, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. Vous entendez? Le pourquoi ils ne vivent pas la parole spirituelle, c'est parce que ils sont encore quoi? Et on va voir le pourquoi ils sont charnel. Continuons. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, un, et de la dispute, et deux, des disputes, deux, n'êtes-vous pas charnel? Donc vous voyez que quand au milieu de l'église, quand il y a la jalousie, il y a les disputes. Ils vont beau faire n'importe comment. Le Saint-Esprit lui donne comme sanction qu'il n'y a pas l'esprit au milieu. Voilà. Donc ils ne sont pas spirituels. Parce qu'on ne peut pas en même temps être charnel et spirituel. Continuons. Et le marché, vous passez l'homme. Vous entendez, n'est-ce pas? Voilà, il y a beaucoup de hymnes maintenant. Oui. Quand l'un dit, oui, moi, je suis de Paul. Oui. Et un autre. Oui. Frère Bo. Moi. Minbo. D'Apollos. Oui. Apollos. N'êtes-vous pas des hommes? Donc vous voyez. Donc si quelqu'un dit que j'appartiens au plein évangile. Il a le problème avec la parole. Moi je suis de la vraie église. Il a le problème avec la parole. Moi je suis Branhamis. Il a le problème avec la parole. Moi je suis protestant. Il a le problème avec la parole. Parce que le langage chrétien, ça ne se dit pas. Soit vous êtes chrétien ou non, vous n'êtes pas du tout. Il n'y a pas de chrétien catholique. Chrétien de la vraie église. Jésus viendra chercher son épouse. Et la condition de la chercher, c'est qu'elle soit sans tâche, ni ride, ni rien de répréhensible. Il ne dira pas que non, tu as abandonné une église qui était bien ornée. Que non, c'est toi qui balais l'église chaque matin. Ça n'a rien à voir avec lui. Alors continue, mon frère. Qu'est-ce que donc qu'Apollos? Oui. Et qu'est-ce que Paul? Oui. Des serviteurs par le moyen desquels, oui, vous avez cru. Oui. Selon que le Seigneur
l'a donné à chacun. J'ai planté. Apollos a arrosé. Apollos a arrosé. Mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Amen. Continue, continue mon frère. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Amen. Vous avez vu, donc ça veut dire que là, ici, c'est pas fini, frère. Je vais encore te envoyer quelque part dans ce passage. Ici, il en est de tuer d'abord un, l'esprit de division, des jalousies, des dénominations, des groupements, des sectes parmi les créés, les chrétiens. Maintenant, alors, chapitre 1 de ce même livre. Souvenez-vous, on est encore sur le baptême et c'est disputé. Lisons le verset 10 à 17. Chapitre 1 cette fois-ci. Oui. Vous voyez ça? Oui. Verset 10. Oui. Verset 17. Oui. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage. Vous avez entendu ça? Non, non, non. Quand les gens doivent avoir tous quoi? Ne pas marrer de un même langage. Continuons. Et à ne point avoir de division parmi vous. Vous avez entendu l'ordre de Dieu. Les pasteurs qui ont ça, les anciens qui ont ça, ils finissent de lire, ils déposent la Bible, ils se divisent. C'est un même bagarre. Continuons. Mais à être parfaitement unis dans un même esprit, dans un même sentiment. Amen. Oui. Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet par le genre de Chloé qu'il y a des disputes au milieu de vous. C'est parce que l'église vit aujourd'hui. Continuons. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Oui. Moi, je suis de full gospel. C'est ce qui est là-bas. Oui. Vous entendez? On en a nous. Continue. Et moi. Oui. D'Apollos. Voilà. Les vraies églises. Les vraies églises. Oui. Et moi. Orobo. De ce face. Protestant. Orobo protestant. Et moi de Christ. Que moi aussi Christ. Christ est-il divisé? Dans ce cas, il y a un problème. Vous voyez? Est-ce que Christ est divisé? Dans ce cas, pourquoi quelqu'un veut dire que je suis dé? Donc le même langage devrait être je suis chrétien. Tu es chrétien d'où? Si quelqu'un te dit ça, tu dis je wanda sur toi. Hein? Vous comprenez non? Quand ce que tu me tournes, ta question me tourne. Soit tu es chrétien, soit tu n'es pas chrétien. On n'est pas chrétien d'où? Si tu dis je suis chrétien, tu vois maintenant, tu dois maintenant suivre ma vie à la lumière de la parole du Seigneur. Pas à mon appartenance à un groupe. Voilà. Continuons mon frère, c'est pas fini. Christ est-il divisé? Oui, maintenant continue. Christ est-il divisé? Oui. Paul a-t-il été crucifié pour vous? Et quand il boule ce qu'il veut voir, morona. Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? Bonne question. Alors, l'apôtre Paul remet encore le baptême au jour. Parce qu'en réalité, si on le baptise au nom de Paul, ils appartiennent à Paul. Mais là, il y a Paul. Si on est, si le groupe de Pierre venait baptiser quelqu'un au nom de Pierre, ils appartiennent donc à Pierre. Et que si Apollo baptisait déjà en son nom, c'est que chacun porte le nom de son groupe. L'apôtre pose la question. Quand est-ce que vous prêchez? Je vous ai baptisé là. Est-ce que je vous ai baptisé en mon nom? Pourquoi vous dites que vous m'appartenez, que je vous appartiens? Vous comprenez, n'est-ce pas? Continuons. Je rends grâce à Dieu. Oui, yeta Allah. De ce que je n'ai baptisé aucun de vous. Oui. Baptisme à Godo. Matakamon. Excepté Christus. Écoutez. Et oui. Gaius. Oui. On a baptisé Christus, Gaius.
afin que personne ne dise que oui. Vous avez été baptisé. Oui. Ah non, non. Donc vous voyez que le problème ne se situe pas que c'est Paul qui les a baptisés. Le problème se situe au nom dans lequel Paul les a baptisés. Qu'est-ce qu'il veut les faire comprendre? Il veut les faire comprendre que le nom de la personne à qui vous avez été baptisé, c'est à lui que vous appartenez. Et lui, il n'est pas divisé. C'est pas ce qui est écrit là. Continue mon frère. J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas. Donc il cite maintenant à Corinthe les gens qu'il a baptisés. Du reste, je ne sache pas que j'ai baptisé quelques autres personnes. Oui. Vous comprenez, frère? Continue. Verset 17. Oui. Ce n'est pas pour vous baptiser. Pour baptiser. Ce n'est pas pour baptiser. Que Christ m'a envoyé. Oui. Non, non, baptisme, du baptisme à Almasi Unilia. C'est pour annoncer l'évangile. Wow. Et cela sans la sagesse du langage. Là, la kadi, la demgal, vous m'avez volé. Afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Dans le premier but, c'est la prédication qu'il a été envoyé faire. La commission. Vous comprenez, n'est-ce pas? Non, vraiment. C'est pour cela qu'il fait ordonner, l'apôtre Pierre fait ordonner qu'on le baptise. Parce que le baptême, c'est un commandement que Jésus a donné. Mais la commission, c'est d'annoncer l'évangile. Merci, frère. Donc, Stéphanas, Crispus ont été baptisés en quel nom? L'apôtre peut dire ici que les apôtres ont baptisé en quel nom, ou bien ils ont été commissionnés pour baptiser en quel nom? Parce que le nom de la personne à qui on apprend, vous ne pouvez pas dire que vous appartenez à Jésus. Écoutez bien, vous n'appartenez pas au Père, Fils, Saint-Esprit. Parce que vous ne pourrez jamais chasser un démon au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Alors, oui. C'est déjà, je dis que c'est hors la Bible. Comment ça? C'est ça. Parce que l'apôtre Paul, lui, oui. lorsque le Seigneur l'a visité, oui. il a été baptisé au nom de Dieu. Au nom du Seigneur. Attends, c'est l'autre là, Dieu a dit à Ananias oui. d'aller. Oui. Non, c'est pas Dieu, c'est le Seigneur qui a parlé. Mon frère Saul, oui. sois baptisé parce que le Seigneur Jésus t'a révélé. Oui. N'est-ce pas? Oui. C'est ça. Oui. Dans la parole de Dieu. L'apôtre Pierre dit aussi quelque part que je crois, je me rappelle de la parole du Seigneur. Oui. Il a dit que Jean-Baptiste a baptisé d'eau. Vous baptisez d'eau. Oui. Mais vous serez baptisé du Saint-Esprit. Oui. Quand je me suis mis à parler la parole de Dieu, le Saint-Esprit est descendu. Amen. Bon, le Saint-Esprit est descendu. Revisons l'eau pour ceux qui ont reçu le baptême de Jésus-Christ. Mais voilà. Qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Bon, qu'il soit immersé, c'est-à-dire qu'il soit mourir et ressuscité avec lui. Non, c'est pas le problème. Mon frère, c'est pas le problème là-bas. Le problème, c'est qu'on se situe au niveau de la façon dont on baptise. Du baptême, tu dis. Voilà. Le baptême pour les recommandations de Jésus-Christ là, oui. ne sera pas. Non. C'est tout ça là, ça part. Dans ce cas, toi-même, frère, sois serein avec toi-même. Non, lève-toi, tu parles, s'il te plaît. Lève-toi. Continue ta prédication. Il dit ici, n'est-ce pas? Oui. Je ne suis pas en train de condamner. Je suis serviteur de Dieu, envoyé pour prêcher. C'est mon but ici. Tu es en train de citer justement l'apôtre Pierre. Tu cites l'apôtre Paul. Tu arrives au niveau du baptême, tu glisses comme ça, tu sors. Tu dis que les instructions du Seigneur ont été données, ça soit clair. Comment non? Ce n'est pas à toi qui a donné l'instruction, c'est à celui dont là qu'il a dit que c'est toi qui es Pierre. Tu es le capitaine de l'église. Oui. Ceci est la parole. Oui. La parole est Dieu. Amen. Et quand la parole est sortie du Seigneur, oui. ça sera en bas de Attends, maintenant je veux que tu réponds au milieu de l'assemblée. Voilà. L'apôtre Pierre est qui? Donc, les apôtres sont qui? Voilà. Donc, du même. Attends, donc ils ont fait une doctrine comment? Ils ont fait selon l'œuvre du Maître. En faisant comment? De faire le baptême sur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Un apôtre a fait ça. Mais c'est dit que nous sommes fondés, même si nous sommes fondés sur la fondation des apôtres. Oui. Est-ce que l'apôtre Paul parle de renoncement, d'imposition de main et de la doctrine du baptême? La doctrine du baptême amène les gens à un trouble. Si Vous ne pouvez pas parler. Vous voulez nous juger maintenant? Non. On ne te juge pas, on ne vous juge pas. On ne vous juge pas. Regarde un peu. Oui. Lorsque tu es venu là, oui. un bon esprit t'a poussé ici. Tu as prophétisé. Tu as dit oui. l'église
plein de grâce. Oui. D'espérance. Oui. Plein d'espérance. Oui. Mais l'espérance, quand on n'a pas la foi, l'espérance, oui. Non. Répondez aussi. Non. Quand on n'a pas la foi, l'espérance est que non. Que non. Bon, l'espérance, tu as répété que l'Église est pleine d'espérance. Oui. Le Seigneur vous aime. Oui. C'est en ce moment que j'ai quelque chose. Mais au fur et à mesure, vous voulez dire à toi que nous n'avons plus le Saint-Esprit. Ouais, mais je vais un peu parler, n'est-ce pas? On n'a pas le Saint-Esprit. Donc on est encore. Faites attention de ne pas blasphémer. Attends mon cher, faites attention de ne pas blasphémer contre lui. Faites attention là, je vous mets sur les gardes. Faites attention. L'espérance n'a rien à voir avec la doctrine de la. Suivez attentivement. Suivez attentivement. L'espérance, n'est-ce pas? Quand vous avez l'espérance, ou vous avez la foi, ça ne vous empêche pas de marcher selon des commandements divers. 1 Corinthiens chapitre 3 et chapitre 1 que vous allez voir. Les gens qui ont cru là disaient que moi j'appartiens à Paul, pas vrai? N'avais-tu pas l'espérance? N'avais-tu pas cru? N'avais-tu pas le Saint-Esprit? Là-bas, c'était même grave au point où même quelqu'un même avait la femme de son frère, de son père. Ça n'a pas empêché que ça. Donc, que tu aies l'espérance, même que tu aies la foi, ça ne veut pas empêcher. Ça ne veut pas dire que, comme tu as l'espérance, ça veut dire que tu marches totalement droit dans l'Écriture. C'est pas cela. Parce que ceux-ci à qui on a parlé, on donne les reproches. Il leur a dit que si quelqu'un ne s'est pas à contester, là-bas, on ne conteste pas. C'est pas ce qu'on a dit. Et ici, il dit ici qu'il a envoyé Timothée pour les corriger. Donc on ne corrige pas l'espérance. Quand tu as l'espérance, c'est une fois. Quand tu as la foi, c'est une fois. Mais on doit marcher sur cette foi pour être édifié. Et marcher sur cette foi pour être édifié, ça veut dire qu'on corrige ce qu'il a. C'est pour ça que l'Écriture est donnée. La foi est donnée une fois. L'espérance est donnée une fois. La doctrine et l'édification se font continuellement. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que quand l'Esprit dit que vous avez la foi, quand tu as la foi, vous avez besoin de vous édifier. Quand vous dites que nous sommes les saints, vous avez besoin de vous sanctifier. Christ nous a justifiés. Mais nous avons encore des besoins de la justification. Que celui qui est juste pratique encore quoi? Et que celui qui est saint fait encore comment? Maintenant, si quelqu'un est non saint, déjà, comme on dit que si quelqu'un est saint, pourquoi doit-il, en quoi est-ce qu'il doit-il encore se sanctifier? Donc, on a dit de parler quelque chose de la Bible. Il faut laisser les choses. Oui, papa, tu voulais parler? Oui. Non, excusez-moi. Vous qui êtes ici, tous là, qui me connaissent. Ceux qui me connaissent. Vous connaissez votre père ici, n'est-ce pas? Oui. Bon, vous me connaissez quand je suis ici à Pitoua. On a dit à Pitoua. C'est nous, c'est nous qui avons commencé la foi pentecôtiste ici dans cette ville. Bon, lui, il n'était pas encore marié, il marchait. Bon, là comme ça, bon, mais c'est moi qui étais là sur place. Nous sommes de l'église, nous étions à l'église du plein évangile. Nous avons qui s'appelle l'évangile là-dedans. Bon, pour que je vous dise ce qui est en moi. Ça, c'est un témoignage. J'ai passé la nuit, je n'ai même pas dormi. C'est quand je parlais avec les protestants cette nuit. Ils ont fermé leur bouche. Avec les protestants. Oui, les protestants. Alors, quand j'étais à Oudé. Okay. C'est de leur milieu. Ok. Bon, je suis d'origine du Tchad. Mais là, tu connais le Tchad. Bon, ma tribu, c'est Kera. Là, tu Kera, donc. Mon papa, en 1936, il est entré dans l'armée ici à Garoua. Bon, il est parti, il a piétiné la terre d'Israël. Mais il a vu un miracle là-bas. Bon, il a dit, Dieu, si tu me gardes, quand je vais rentrer dans mon village, je vais devenir chrétien. Bon, mon père est rentré. Il a marié ma mère. Bon, quand il a marié ma mère, bon, elle a pris la grossesse, c'était moi. Quand on a dit là, tu as fait. Bon. Et au bout de c'est environ de 6 ans de grossesse. Il y a qu'un de... 6 mois de grossesse. Il y a qu'un mari qui a dit Diego, bon, maman est devenue folle. Dadam quand au sorti. Bon, elle, on l'a arrêté seulement, elle par ciel, on l'a arrêté. Bon, maintenant.
sa maman, ma grand-mère est possédée. Et ma maman ko boka do maru kaludu. Elle a des démons. Roma ruuji kaludu. Bon, les démons lui dit que et ruuji kaludu mandu yamo kadi. L'enfant qui est dans le sein de ta fille là. Et bingel ko bingel je won harredu bingel marado. Et s'il n'était pas si la main de Dieu n'était pas avec lui. To dungu Allah wana do bingel man. Elle mourrait. Bingel man mayano. Mais cet enfant, Dieu est avec lui. Bingel man do kadi Allah don be mako. Bon, maintenant maman est guérie. Ta dam yam diti. Bon, le jour de ma naissance, elle m'a donné, elle a accouché. Ande o dan yambo. Bon. Et après, quand elle a accouché, il n'y a pas du lait. Ha la hunde fer wala. Il n'y a pas du lait. Ah, kosam wala. Kosam wala, wala no kosam no. Bon, maintenant on m'a donné le lait d'une chèvre. Le yarniam kadi kosam bewa. Et ça fait 2 mois. Wadi le bididi. Le lait de la chèvre est fini. Et kosam bewa botimi. On a commencé à me nourrir avec le lait de la vache. Et fou yarno gam kosam nagge. Bon, et après 4 mois. Ba man le binay. Le lait de ma mère est venu. Et kadi ba man kadi ba le binay kadi. Dadam kadi fou hebi hendi mako fou jota kayer yargo en kosam dadam. Les gens conseillent mon papa. Imbero kasawra babam. Cet enfant là cherche un peu de poison, il faut l'éliminer parce que il ne va pas vivre. Hokumo hunde ngam heba moya ngam bingel hedata. Bon, papa dit que non. Baba mo wikay. Il ne peut pas faire sortir l'âme d'une personne. Oyo fota on bara goddo. Bon, si le jour arrive que je meurs. To wakati yoti ngam maabo moya entan. Alors Dieu m'a donné la vie. Allah okiam gena. Bon. Et au bout de 9 ans. On a quitté le village natal. On est venu quelque part là qu'on appelle la ville de Pala. Bon, on a fait 14 ans là-bas. Bon, en 1975, bon, quand nous sommes venus à Pala, c'est là où mon papa a attrapé la foi protestante. En 1975, il y avait du trouble au Tchad. Le président a décrété une loi, il dit que tout le monde doit aller à l'initiation. Moi, j'étais rétrograde. Une voix est venue, quelqu'un m'a appelé le matin. Il dit Pépé. Oui, il m'a dit Pépé. J'ai répondu. Minoti. Je suis sorti en croyant que c'est mon papa qui m'a appelé. Mais bon, je ne vois la personne. Mon papa dit qu'il ne m'a pas appelé. Je suis allé trouver la maman. Quand je reviens encore, la voix m'appelle encore. Jusqu'à la troisième fois. La voix me dit que il ne faut pas aller souiller ton nom. Parce que quand ma grand-mère avait reçu ce songe là, il dit que donne-lui le nom de Pépé. Pépé, cela veut dire que Dieu. Mon nom c'était Jean Pépé. Pépé, cela veut dire que Dieu. Bon, quand j'ai parti, à l'initiation. Tu me dis le carré là-bas. L'initiation en quoi? Bon, à la tradition là-bas. La tradition. Ok. Bon, on allait me dire peut-être Pep Creu ou Pep Kusam. Ça veut dire quoi Pep Creu, c'est mon club? On vous donne un nom. Ok. Il m'a dit, bon, je ne dois pas aller suivre mon nom. Oui, cette voix-là. Bon, quand j'ai entendu ça, quelque chose est venu dans mon cœur. J'avais problème avec quelqu'un. Oui. J'ai dit que mais le jour là, je vais tuer la personne là. Oui. Je suis parti à un marigot le matin, je suis allé me laver. Il y a l'église quelque part. Et quand je me suis lavé, quand on chantait là-bas, le chant est entré. Oui. Quelque chose m'a coupé le cœur. Oui. Je suis allé directement à l'église. Oui. J'ai confessé. Et le soir, je suis allé trouver la personne, on s'est réconcilié. On s'est préparé pour quitter le Tchad. Ma maman me disait qu'elle ne part pas. Dit que non, on va partir. Moi, je ne peux pas aller dans la chose, je vais partir. Alors, ils étaient convaincus. C'était deux familles, mon père et un voisin. Nous sommes quittés le Tchad. Nous sommes arrivés ici le 1er avril 1975.
Bon, ici, nous sommes allés avec les protestants. Donc, vous avez mes protestants, non? Bon, parce que c'était ceux qui étaient sur le terrain à ce moment-là. Oui, c'était les protestants. Les protestants, non? Bon, à un moment donné, bon, j'ai commencé à avoir des troubles. J'ai commencé à avoir des troubles quand je parle à l'église. Tu m'étais église, dans l'église protestante. En l'église protestante. Je ne comprends pas. Des fois, on me dit que viens, il faut qu'on fasse le recensement. Oui, quand tu vois, il host. J'ai dit que non. David a reçu la punition. Oui, la punition à cause du recensement. Oui, quand David a dit. David a dit, Allah fait du monde un cadeau. Gamba Allah au limite motor. Le frère Jacob a rencontré les frères du plein évangile. Et en tout cas, déjà Jacob au côté du plein évangile. Il est venu. Wari. Il m'a amené la nouvelle. Ça, c'est en 1975. Ça, c'était en 1985. Parce qu'on avait déjà duré. Et après, parce qu'il y avait une belle sœur là qui était venue, elle était possédée. J'ai commencé à prier pour elle, les démons m'ont attaqué. Et il y a que des pingues de fer, on voulait te taper. Le frère, ils m'ont amené à l'église. Dans le plein évangile. Oui. Alors, c'est là où j'ai reçu la délivrance. Oui. Bon, maintenant, je lis la Bible. Je lis la Bible. Je lis la Bible. Je vois ce que les protestants font. Oui. Ce n'est pas juste. Oui. Bon, le jour de mon baptême, oui. J'ai dit au pasteur, pasteur, oui. Baptise-moi au nom de Jésus-Christ. Oui. Comment tu savais ça? Hein? Comment tu savais? Bon, moi je voulais seulement qu'il faut que ça soit ce baptême-là. Il a lu quand même les documents de quelqu'un quand même. Oh, ok. Bon, et après... Et il m'a baptisé. Oui. Bon, quand il m'a baptisé, on a commencé à travailler. Oui. Avec le pasteur. Oui. Un jour, nous sommes montés là-bas sur la montagne de Ndudja. Et on a évangélisé. Oui. Bon, il y avait 30 personnes qui ont répondu au baptême. On les a amenés au baptême. Bon, nous sommes allés aux eaux de baptême. Bon, il y a 3 personnes qui sont entrées dans l'eau. Quand ils ont commencé à baptiser, bon, j'ai dit que quelque chose me dit que non, dis-leur que ce n'est pas comme ça. Oui. Bon, moi, je me retenais. Oui. Dis-leur que c'est comme ça. Oui. Ce n'est pas, ce n'est pas comme ça. Non, bah, ce n'est pas comme ça, ça dit comment? Bon, ça veut dire qu'au nom du Père, du Saint-Esprit. Là. Oui. Donc maintenant, quand le service est terminé, quand nous sommes rentrés, il y avait une petite brousse là. Oui. Je suis allé, je suis caché là, j'ai pleuré. J'ai dit, Seigneur, si c'est toi, est-ce que moi-même je commence à baptiser les gens au nom de Jésus-Christ? Oui. Quand je suis rentré, bon, 2 semaines après, mon pasteur me dit que bon, Jean Pépin, bon, je vois là, tu es un peu mûr. Bon, comme je voyage beaucoup, là, si quelqu'un va demander le baptême, va le baptiser. Bon. Après lui, il y a eu 6 personnes. Bon, c'est là où maintenant j'ai commencé à les baptiser au nom de Jésus-Christ dans l'eau. Et c'est là donc qui a causé beaucoup de troubles et qui a causé même la division. Mais un jour, j'ai commencé à me poser des questions. J'ai dit que bon, il y a beaucoup de dénominations. Ici, le plein évangile. Ici, la vraie église. Ici, l'église apostolique. L'église de Dieu. Où est la véritable église? J'avais 2 questions. Le jour de ma naissance, puisqu'on n'avait pas l'acte. Et la deuxième question, c'était la véritable église. Bon, j'ai dit, Seigneur, montre-moi. Dis-moi le jour de ma naissance. Et montre-moi aussi la véritable église. Bon, le jour où j'ai reçu le songe, Dieu peut nous parler par le songe. J'ai vu la main de quelqu'un descendre du ciel. Bon, la main là a construit une maison. Bon, c'était une belle maison. Bon, l'un de nos prédicateurs est resté. Il a calé la porte. Et le pasteur nous prenait, il va là-bas dehors. Il nous donne des conseils. J'ai vous dit ça la vérité, frère.
Bon, il nous donne des conseils. Quand il nous donne des conseils, après, on nous amène dans un autre endroit. Bon, maintenant la voix me dit, prends, ramasse 12 pierres. Je me suis levé, j'ai ramassé 12 pierres. Il me dit, fais la fondation de ta maison, d'une maison. J'ai mis la fondation d'une maison. Il me dit, si tu veux la véritable église, reste sur la doctrine des 12 apôtres. To awi kadi ayidi kadi gonga kam jodo do jangirde kadi pokara en sapo didi. Tu es né le 15 décembre 1952. Hollin mo kadi balde jeo daiman do. Dès ce jour, daga hande man. Je n'avais plus honte, je n'avais plus peur. Mi wala no kadi kulol mi semtano fayen. Amen. Amen. Bon, mes frères qui sont ici là, vous avez reçu des étrangers ici pleinement. Est-ce que vous m'avez vu un jour ici? On met taw gam wara hado na? Non. Est-ce que vous m'avez vu un jour ici? On y a Haruna. Voilà le frère qu'on m'a parlé que bon, il y a un frère gendarme ici au milieu de vous. Oui, de Rao, c'est maintenant, c'est avant quelques âges que j'ai commencé à venir. Et quand on a une photo, c'est là où je l'ai vu. Ha, parce que c'est le frère là qui allait me dire qu'il y a un frère, un prédicateur qui va venir ici. De Rao, oui, on a dit, frère, c'est quelque chose qui m'a dit. Et on dit, va. Yahou. Soutiens le frère. Yahou, de Rao. Amen. Amen. Ça, c'est mon témoignage. C'est quand vous me voyez toujours ici, c'est ça, frère. Moi, je ne connais pas autre chose. Bon, d'après moi, ce que Paul a enseigné, ce que Pierre a enseigné, si le Seigneur les a sauvés, je serai aussi sauvé. Amen. Je ne juge pas. Je ne juge personne. Mais seulement, je soutiens l'enseignement du frère. Amen. Amen. Chez moi, parce que quand j'ai vécu ça, je n'avais pas peur. Même aujourd'hui, partout là où je vais, j'ai eu des problèmes à cause, comme le frère disait, avant que c'est quelque chose de critique. On va vous critiquer. Bon, ma question est que si Pierre revenait, si l'apôtre Paul revenait, maintenant, est-ce qu'on va les accepter encore ici devant nous? Si nous pouvons les accepter ici devant nous, les voilà. Amen. On prend une pause.